Le Festival international du film sur l'art se déroule en ce moment. On est en plein dedans. Il y a des thèmes, il y a des films, il y a toutes sortes de choses extrêmement intéressantes pour les gens qui s'intéressent à l'art en général. Il y a des projections et parmi ces projections, il y en a une qui sera présentée, qui a déjà été présentée à Québec et qui le sera samedi au Musée de Paul de Montréal. C'est un film dont le titre est quand même, moi je me suis questionné beaucoup à savoir qu'est-ce que ça pourrait être ça, Une ours bleue. Et pour nous en parler, Claude Hamel, qui est cinéaste et qui a réalisé ce très beau document de 90 minutes à peu près. Alors Claude, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, merci de me recevoir. Au lendemain d'une projection qui était présentée à Québec, effectivement, comment s'est déroulée cette, par mesure de curiosité, comment s'est déroulée cette rencontre? Ça a été une belle projection, bien appréciée d'après les commentaires, après le film, beaucoup de beaux messages, beaucoup de questionnements. On a eu un bel espace de questions-réponses et un homme qui a dit quelque chose de très beau, qui a dit que pour lui, assister à ce film, c'était comme revivre une nuit de la poésie. Vraiment, c'est un très beau compliment, ça. Alors, Oui. de quoi s'agit-il exactement pendant que je mets à l'écran la présentation de ce film L'ours bleu et le personnage principal, évidemment, je vous laisse nous le présenter, Virginie, Virginia. Virginia Pessemapeau-Bordeleau, c'est une artiste Cree née au Québec, une Cree de la baie James, qui a une carrière extraordinaire, qui est bien connue du milieu artistique. C'est une icône du monde autochtone, mais elle est très peu connue du public en général. Elle a 40 ans de carrière, plus de 400 toiles à son actif. Le film, d'ailleurs, en compte plus de 300. C'est aussi une autrice qui a plusieurs livres à son compte. De très beaux livres, souvent autobiographiques. Ours bleu, d'ailleurs, c'est le titre de son premier livre qui était une forme de récit onirique, une forme de quête d'identité où elle va vers les gens des générations qui l'ont précédée. Il a été publié en quelle année, Claude? Ce livre-là a été publié en 97, si je ne m'abuse. Il y a d'autres livres et on va tout de suite en parler parce que après on va concentrer sur son travail de peintre. Un autre livre qui a pour titre un titre assez, ça met l'eau à la bouche d'une certaine façon, c'est celui-ci. L'Amant du lac, c'est le premier roman érotique autochtone. Et c'est Virginia qui l'a écrit. Il y a des passages magnifiques, beaucoup de sensualité. Ça raconte, c'est inspiré de la vie de son père, qui était un Québécois métissé de par sa mère, mais qui était aussi un coureur des bois. Un homme qui avait fait la guerre dans les années 40 et qui est revenu assez blessé, assez brusqué de tout ce qu'il avait vécu en Europe et qui s'est réfugié dans les bois en Abitibi, où il a rencontré la mère de Virginia, qui Un était autre une. livre dont on va parler brièvement est celui-ci. Ce sont des poèmes, un livre de poésie, Recueil. dans lequel il y a un très beau poème à la fin qui est la Déclaration de paix des femmes, qu'elle a coécrit avec un grand nom, mon Dieu, un grand nom du féminisme au Québec, qui est décédé il y a quelques années, ça m'échappe. Elle a écrit un beau grand poème. Alors, les femmes, la femme est au cœur de son œuvre. Oui, elle raconte plusieurs épisodes de sa vie. Elle parle des coucoums, des grands-mères. Vraiment, Virginia, c'est comme toujours un peu autobiographique, ses œuvres. Alors, elle est au centre de ses œuvres. Sa mère aussi, elle raconte les parcours de ses sœurs, de sa mère, de ses tantes, de ses grands-mères. Pendant qu'on regarde quelques-unes des images de ces œuvres qui sont quand même très colorées, très vivantes, très, je dirais pas tout à fait abstraites parce qu'on reconnaît des éléments,
qui lui sont sûrement très chères, si on parle d'autobiographie, si on veut. Une technique aussi qui est assumée. Sur le plan technique, c'est une peintre qui peut, je veux dire, c'est une des belles carrières au Québec, mais malheureusement, on ne la connaît pas suffisamment. Vous avez Oui, le film a pour but de la faire mieux connaître. Virginia a reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour l'ensemble de sa carrière en 2022. Elle est reconnue et en Europe. Elle est d'ailleurs présentement en Europe. Elle est très appréciée et souvent conviée là-bas. Elle est très souvent en Europe. Elle est à Paris où elle a présenté quelque chose au Centre canadien. À Paris, il y a 2 jours. Des Qu'est-ce que extraits ça? Je vous écoute. Elle a présenté des extraits de l'un de ses livres. Elle a 8 livres à son compte. L'an passé, à l'automne, il y avait un cours complet sur Virginia dans le cadre du programme Littérature et cinéma à l'Université Laval. On étudiait toutes ses œuvres et j'ai pu présenter mon film aux étudiantes. C'était surtout des étudiantes dans le cours. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de tourner et de faire ce documentaire? Quel était l'élément déclencheur, si vous voulez? L'élément déclencheur, c'est un spectacle hommage qui a eu lieu dans le cadre du Salon du livre des Premières Nations à Québec en 2019. J'étais là à écouter ce terriblement bel hommage, vraiment livré par Joséphine Bacon, par Louis-Carl Picard-Sioui, par André Lévesque, de grands artistes autochtones. Un hommage qui était constitué d'extraits, de passages de ses livres qui relataient un peu la vie de Virginia, ce qui est le cas aussi du film. Le film, toute la narration, ce ne sont que des passages de son livre. Tout ce qui est dit dans ce film-là est extrait de l'un ou l'autre de ses livres illustrés par ses toiles. Alors, j'assistais à ce spectacle-là et connaissant toute son œuvre picturale, j'étais très émue d'entendre tous ces passages prenants de ses livres, mais je me languissais qu'on puisse voir l'ampleur de son expression artistique, de ses toiles. Alors, c'est là qu'est née l'idée de faire un film. Alors, pendant qu'on regarde encore une autre de ces toiles, j'aimerais tout simplement mentionner le fait qu'on retrouve dans votre film ceux que vous mentionniez tout à l'heure, c'était Joséphine Bacon, André Lévesque-Sibi, Louis-Carl Picard-Sibi, Christine Sibi, Wawa Dolot, Marc Vallée. Alors, c'est quand même une représentation, une digne représentation de votre nation autour de l'œuvre de Virginie. Oui, beaucoup de grands artistes, de beaux artistes du monde autochtone se sont prêtés à ce spectacle hommage qui a eu lieu dans une soirée où c'était bondé. Il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions dans la salle. Virginia a vraiment le don de nous toucher. Puis elle est d'une telle simplicité. À la fin du spectacle, elle est montée sur scène pour remercier. Puis elle a dit, mon Dieu, mais j'écoutais ça, puis j'en crois pas mes oreilles. J'ai écrit tout ça, moi. Elle est d'une belle candeur. C'est une femme que vous avez, j'imagine, bien connue par l'entremise de l'application de votre film. Comment est-elle au quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un charisme naturel? Est-ce que c'est quelqu'un qui est intellectuellement active, qui est verbomotrice? Qui est-elle dans le vrai monde? Virginia, c'est quelqu'un de très discret, de très douce. Moi, je l'ai connue, je suis conteuse et je l'ai connue dans un festival de contes à Tlucan, au lac Saint-Jean, où j'ai tourné mon premier film, où elle contait. Puis elle nous contait des histoires de moufettes, des histoires de castors, des histoires traditionnelles algonquines, tellement drôles. Elle est très drôle, Virginia. Mais au quotidien, elle est très discrète. Elle écoute beaucoup, puis elle place ses
blagues de temps à autre. C'est pas quelqu'un d'extrêmement exubérant. C'est quelqu'un qui est. C'est une personne joyeuse. Joyeuse, calme, posée, qui observe et puis qui prend un peu le pouls de la situation sans s'imposer, mais elle est présente. Parlons un peu de vous, Claude Hamel. Vous avez un parcours qui est vraiment intéressant. Racontez-moi un peu qu'est-ce qui vous a amené à tourner des films, à vous intéresser à cet art. Depuis toujours, mon parcours est empreint de travail auprès des femmes. Déjà dans la toute jeune vingtaine, j'étais avec un groupe, je faisais partie d'un groupe musical. On a assisté à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture d'une soirée qui célébrait la fondation de la vie en rose. Nous étions 9 femmes dans un groupe qui s'appelait Wonder Brass. Hey. On est... Plusieurs brasses. J'étais trompettiste et chanteuse dans cette formation qui a duré plusieurs années, Sont dont devenus plusieurs les mémoires. mémés. Ils sont pas devenus les mémés, quelque chose, non? Leurs membres sont, les mémés sont derrière le Festival de musique actuelle à Victoriaville. Oui, Joanne Etude, Diane Labrosse et tout ça, là, oui. Alors, j'ai commencé comme ça, puis après un moment, j'ai continué plus à faire de la chanson française tout en continuant à faire des intros à la trompette. Je comptais déjà autant de Wonder Brass sur des petits cantes urbains, ce que j'ai continué. Puis à un moment donné, dans mon parcours de vie, est arrivée une offre de stage à l'Office national du film pour être preneur de son. Et commencer la vie artistique, c'est pas toujours facile de gagner sa vie. Alors, j'ai inclus dans mon parcours beaucoup de travail en documentaire. J'ai fait pendant 26 ans des tournages partout dans le monde, sur toutes sortes de productions, comme preneur de son. Jusqu'en 2012, où là, j'ai bifurqué de nouveau pour être plus sur scène et je suis devenue plus une artiste à temps complet. Et là, j'ai fait le tour des festivals de contes au Québec, des contes et des chansons, toujours. Et puis, c'est là de cette série de présence dans des festivals que je me suis trouvée au Festival de la Toucane, Festival de contes. Oui, c'est un festival de contes autochtones à Pointe-Bleue, à Mastoyatch, anciennement Pointe-Bleue. Et il y avait sur scène Joséphine Bacon, Natacha Canapé, Marie-André Guil, des grands noms. Et puis j'ai commencé à les tourner pour leur donner du matériel pour qu'elles puissent publiciser leur art, leur présence sur scène. Et puis après un moment, je me suis retrouvée, je me suis dit, mais j'ai un film, j'ai en main un film de quoi montrer les femmes autochtones sous un jour différent, combattre un peu les préjugés. D'autant plus que comme elles étaient chez elles, dans un festival où elles se retrouvaient entre elles, il n'y avait pas cette distance que parfois avec les gens du monde autochtone où elles sont un peu en retrait, un peu méfiantes. Non, là, elles étaient dans une sorte, forme d'exubérance tellement agréable. Alors, j'ai fait ce premier film dans lequel était aussi Virginia. Avec l'aide de l'ONF, l'ONF m'a permis d'avoir une subvention, l'aide au cinéma artisanal pour... La partie étalonnage pour la partie image. Comme le deuxième film aussi, j'ai eu cette aide. Très appréciée. Ça a été une initiation par le biais du son qu'on dépose sur le film de l'humain cinéaste pour notre grand bien. Alors aujourd'hui, on rencontre Claude Hamel qui est tout ça, en plus d'être conteuse, et aussi Virginia Passemapeo-Bordeleau, qui est une artiste intense. Et j'aimerais que vous nous invitiez à cette projection qui aura lieu samedi. Je vous laisse la parole. Merci, merci. Je vous invite, oui, à venir me rencontrer. Je serai là pour répondre aux questions aussi à la fin de la projection. Mais je vous invite à venir rencontrer cette artiste fabuleuse qui est Virginia Passemapeo-Bordeleau. C'est au McCord à 2h30 dans le cadre du Festival international du film sur l'art où nous sommes en compétition nationale. Pour la Ah oui. deuxième fois, mon premier film aussi l'avait été. On n'a pas remporté, mais déjà d'être là en compétition, c'est fantastique. Et puis l'ours bleu se promène partout. On est à notre 14e sélection dans des festivals de films internationaux et on a gagné le prix du meilleur film d'art au Berlin Indie.
au Festival de films indépendants à Berlin. Wow, vraiment, ça c'est un wow Oui, pour, ouais, c'est pour vous. fantastique. Vous travaillez évidemment, et je vais oui, terminer là-dessus, vous avez une équipe autour de vous. Il y a des gens qui sont dans, qui vous accompagnent dans ces projets. Avez-vous envie de les mentionner un petit peu, de les nommer? J'ai fait pas mal de films, pas mal toute seule, avec l'aide de deux personnes très importantes. À l'ONF, il y a Marie-Christine, mon Dieu, son nom m'échappe, l'aide au cinéma artisanal. Il y avait Monsieur Véraud qui a fait l'étalonnage images essentiel. Et il y a Daniel Toussaint qui a fait le mix. Daniel Toussaint, c'est un grand mixeur. Il fait plein, plein, plein de films. Il travaille chez lui, pas loin de chez moi en Estrie. Ça a été une joie que de travailler avec lui. Il a fait un travail extraordinaire de précision au niveau du son. Là, c'était un bonheur, vraiment. Ça a été un véritable plaisir de causer avec toi ce matin, Claude Ramel. Et j'invite encore une fois au Népal samedi après-midi d'aller voir ce film L'ours bleu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.